Bonjour! Bienvenue sur cette vidéo sur les crêpes japonaises versus les crêpes françaises! Nous allons commencer comme d'habitude par un petit vidéo studio. Voilà, on vous avoue, on est pressé là. Parce on a 7 minutes 30 pour faire cette partie vidéo. On mange en studio des crêpes qu'on a achetées chez Picard! On est en route pour aller acheter des crêpes dans le quartier français à Picard pour la 15e fois, vous connaissez, mais dans le métro, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette boîte. Et au début, je me suis dit, tiens, un truc pour fumeur, c'est bizarre. Mais non, ça n'est pas un truc pour fumeur. C'est un cocodesk. On va découvrir ensemble. C'est le Corona, on n'a pas le droit d'utiliser. Il y a marqué. Bah, en fait, à l'intérieur, si je comprends bien, il y a un bureau et une chaise, tu vois, et une clim. Et c'est pour pouvoir travailler. Où est-on? Dans le train, dans le métro, enfin. C'est marrant parce que c'est grâce à la vidéo que je savais où c'était. On va les mettre au micro-ondes, on va manger, on va vous dire si c'est bon, si c'est pas bon. Voilà. Et ensuite, on va sortir et on va manger les vraies crêpes japonaises et les vraies crêpes françaises à l'extérieur. Et on va vous dire quelles sont les meilleures. Ce concept est exceptionnel parce que j'ai très faim. On a des mini crêpes. Oh, l'ambiance elle est. On a des 6 crêpes. On a aussi 6 crêpes. Et on a également 6 crêpes. Allez, mettons au micro-ondes. C'est parti. Nous avons nos crêpes. C'est les mini crêpes éco, genre bio, machin, machin. T'as vu, elles sont faites avec du vrai lait, j'imagine, et tout. Enfin, genre, on rigole pas. On n'est pas trompé sur la marchandise, c'est des mini crêpes. Hein, elles sont pas grandes. Alors, par contre, l'odeur est bonne. Je trouve l'odeur. L'odeur est là. C'est vrai que c'est pas dégueu. Et en vrai, la texture est pas mal non plus. Ouais, je suis assez surpris. Moi, je t'avoue, je vais partir sur un petit peu de sucre tout basique avec du citron. Bah, c'est mon truc préféré. C'est toi qui pars dessus. Bah, écoute, je pars dessus. Tu viens de me donner un bouton sur le nez. Et, mais c'est ça que tu mets comme sucre? Très peu. Oui, bah oui, très peu. Très peu, très très peu. Ah oui, bah oui. Oh là là, c'est le meilleur. C'est pas mal en vrai, hein. Je me demande c'était quoi le prix des mini crêpes, mais c'est pas mal, je trouve. Ça sent fort le beurre de caca. Putain, c'est tout bien pâteux là. Alors, ça sent le beurre de cacahuète, hein. Non mais genre... t'as un truc à pas manger, c'est ça? Ah, j'essaie, t'en sens, j'aime bien. À chaque vidéo, histoire de dire... Ça suinte, c'est dégueulasse comme ça. Oh. Monsieur est allergique au beurre de cacahuète, aux cacahuètes, et mange du beurre de cacahuète. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment... va-t-on finir la vidéo? On est en live aussi sur Twitch, au moment où on tourne. Les gens sont impatients de savoir s'il va tomber, du coup, raid. Du coup, la deuxième, je vais me la faire à la banane. Il nous reste 3 minutes 54, mec. Ah merde, ça va pas le faire. Attends, deux secondes. Vas-y, non, t'inquiète. Ça va? C'est bon. Elles sont bonnes. Franchement, elles sont bonnes. En vrai, elles sont bonnes, mais il y en a 10. Comme tu dirais, le prix, je me rappelle pas. Ouais. Mais j'imagine cher. Parce que au Japon, j'ai cher. Et je mange la bouche pleine. Allez. Mec, elles sont magnifiques. Oh bah dis donc. Alors, franchement, elles sont vraiment belles. Et quand tu vois ça, tu te dis pourquoi les faire soi-même? Parce que c'est moins cher, d'accord. Mais en vrai, elles sont belles. Elles sentent bon. Et elles sentent bon. Et en plus, moi j'aime bien sur les crêpes. Alors, oh, mais elles sont encore froides, putain, elles sont chaudes, elles sont bouillantes là. On est d'accord? Ah oui, c'est quoi cette merde? Putain. On vient de perdre 30 secondes. Merde, putain, je vais couper. 3 minutes 05. C'est bon. Du coup, je te propose d'en prendre une nature, comme ça, basique, tu vois. Ah, pas con. Comme ça. Ah non, j'ai pris des grandes assiettes. Elles sont en dessous et puis du coup, on est sur les petites assiettes. Ouais. Vraiment, les youtubeurs ne réfléchissent pas. Allez. Ah ou? En vrai, c'est bon, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Picard, à part le prix, c'est bien. Ouais. Après, je sais pas si c'est cher en France, parce qu'au Japon, c'est quand même, tu sais, t'as l'export et tout, c'est vraiment les produits français qui viennent au Japon, donc c'est un poil. Tu es d'accord. Là, il y a du plaisir, là. Toutes les crêpes japonaises, non, pas toutes, peut-être j'exagère, mais une crêpe japonaise, elle a zéro goût en fait. Ouais. Ce qu'il y a dedans est super bon. Il n'y a rien. Et pareil, pour eux, une crêpe comme ça, de cette couleur-là, c'est trop cuit. Ouais. Vous allez, on spoil la suite de la vidéo, parce qu'on va le découvrir vraiment entre nous et on va vous montrer vraiment les faits, tu vois, avec les preuves entre les mains. Mais je peux vous dire que ça c'est même meilleur qu'une crêpe nature n'importe où au Japon. Bah écoutez, il est temps d'aller découvrir le reste en extérieur. Bah non, on peut quand même se faire une crêpe avec du truc dessus là. Et tu vois les crêpes qui ont des trous comme ça. C'est trop bon, c'est le mieux. En vrai, ça c'est le meilleur truc. Déjà le miel à la base, si vous ne connaissez pas. Mais j'ai toujours des remords en manger. C'est quand même pas très bon pour la nature de manger du miel. Mais c'est de la crêpe. 7 secondes, 5, 4, 3, c'est bon. On a vérifié avec Tev, ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on n'est pas venu ici.
Enfin, pas en vidéo en tout cas. Pas en vidéo, et on était venu pour manger une crêpe. Et on est obligé quand même si on l'a déjà fait, de faire une vidéo dédiée aux crêpes, parce que les crêpes japonaises, c'est une institution. Exactement. Vous connaissez le sushi peut-être, le sashimi, trucs comme ça, mais les la crêpes, crêpe japonaise. Surtout Marion Crêpe, hein, super surtout connu. Surtout Marion Crêpe, tous ceux qui viennent au Japon sont obligés de manger une crêpe. Sinon, tu signes un truc quand tu rentres dans le pays, vous devez manger une crêpe. Ça y est, le mec commence à abuser, c'est parti. Harajuku, mine de rien, c'est un quartier où tout le monde est obligé de venir aussi. C'est pareil, c'est un quartier immanquable de Tokyo. Et il y a plein de trucs sympas, il y a plein de petits magasins et tout. C'est très bizarre, parce que quand tu vlogs dans cette rue, bah forcément, tu es vraiment le lambda touriste à mort. Et là, on cherche Marion Crêpe, hein, on sait où il est dans le bout de la rue. Comme d'habitude, vous avez des crêpes qui sont salées de ce côté-là. Et donc, on peut voir qu'il y a des crêpes chantilly mayonnaise. Et il y a des crêpes un peu plus classiques qui sont un peu plus au-dessus. Genre vanille, fraise, chantilly, banane, chocolat, ananas, cheesecake. Il y a beaucoup de choix et je crois qu'il y a normalement... Je crois qu'il y a plus de 100 variétés de crêpes par Marion Crêpe en général. Elles sont numérotées, il faut bien faire gaffe. Quand tu commandes, tu commandes le numéro. Et il y a un petit jeu, tu vois, tu donnes un numéro et tu vois ce qui arrive en fait. Ouais, qu'on a déjà fait. À chaque fois, je me tape un truc dégueulasse. Tu donnes un numéro au hasard et après, tu prends une 73, c'est du thon et de la mayonnaise quoi. C'est malheureux hein, parce qu'en général, tu fais la queue de là à là-bas. Ouais. Le marché de la crêpe s'effondre à cause du Covid. Je vous précise que le principe des crêpes japonaises, c'est de mettre le maximum de trucs dedans. T'as de la crème, t'as du cheesecake, t'as des fruits, t'as du chocolat, t'as des machins avec des paillettes qui sortent. Et lui, il prend une crêpe avec juste 3 tranches de fraises, c'est même pas 3 fraises quoi genre. Pas mal hein. Il est fier. Pour faire le décalage, regardez ce qu'il va rapporter. C'est très bien. Ceux qui connaissent ce Marion Crêpe, et je sais que vous êtes très nombreux à connaître, hein, parce que vraiment quand on dit que c'est touristique à mort, c'est vraiment à mort. Et ben vous savez que dans cette rue là qui est à côté, il y a tout le temps des gens qui sont assis les uns à côté des autres en train de manger leurs crêpes. Et il y a même des panneaux là à côté, il y a un petit temple et il y a des panneaux qui disent ne mangez pas vos crêpes ici. Et là il n'y a plus personne en fait, personne ne vient manger de crêpes. Ma crêpe a l'air incroyable. Alors toi ta crêpe elle était chaude, ouais. Les miennes elle est froide de ouf. Ah bon. Et ça c'est une crêpe spéciale été, malgré le manque de clients ils font quand même des petites crêpes. C'est les japonaises en face là. Le problème des crêpes japonaises c'est que vraiment il faut pas y aller pour les crêpes. C'est un peu paradoxal mais c'est... Ouais, c'est ce possible à l'intérieur. L'intérieur est super bon tu vois, mais la crêpe en elle-même... Bah pour une fois tu vois moi j'ai pris la crêpe, et vu qu'elle était chaude, franchement elle était pas mal hein. Ok, bon en vrai tu regardes moi, hop, je pioche, j'ai des vrais morceaux de espèce de mousse de gâteau au citron. La crêpe japonaise, c'est absolument pas la crêpe qui est bonne. Enfin, moi je la trouve éclatée en fait. Toi, t'as peut-être aimé parce qu'elle était chaude, mais. Ouais, ça a rajouté quelque chose. Mmh, elle a pas de goût en vrai. Hein, c'est... Ah ouais, bon, ouais. Des coins de Tokyo qu'on soupçonnerait pas. Hein. Petite conclusion sur ma crêpe quand même. Mine de rien, la crêpe est pas ouf. Mais l'ensemble, pour moi, c'est un solide 7 ou 8 sur 10 quand même. Ah ouais, hein, quand même. Ouais. Quand même, quand tu manges tout et tout, la crêpe est vachement bonne. Une citron ouf. Un gâteau au citron, très bien. C'est une édition limitée, c'est la première fois que je la mange, donc je découvre. Vachement agréable. Franchement, vachement agréable. La crêpe est pas ouf, et malgré tout, c'est bon, tu vois. Tu vas me prendre pour un con, mais moi, t'es pas dégueu, hein, Lina. Elle était chaude. Donc c'est validé, ma crêpe, finalement. Mm. C'est basique, mais basique bien, quoi. J'ai envie d'aller à Wooden Doll, qui est mon inspi, entre guillemets, pour les fringues, clairement. Bah, fais-nous découvrir ton univers. On attend que ça. Entre deux crêpes, on va aller découvrir un petit truc que je ne connaissais pas, que je découvre. C'est une petite enseigne suédoise qui s'appelle... Ikea. Ikea. Mais attention, complicité incroyable. C'est pas n'importe quel Ikea, c'est un Ikea déjà qui est en plein centre de Tokyo, donc du coup on se dirait, mais pourquoi en plein centre de Tokyo? C'est parce que c'est un Ikea Urban Store, donc un peu hype. Que je découvre en fait, et regardez là, vous voyez la gare de Harajuku, c'est vraiment le centre-ville de Tokyo, et on a le Ikea qui est juste là. Oh, déjà, dès l'entrée, il y a un truc pour take out et tout, donc c'est un truc pour vous. Je sais pas comment ça marche dans les autres pays, mais Ikea en général c'est vraiment dans les... pas dans les banlieues, mais enfin assez loin des centres-villes, tu y vas en voiture et c'est des entrepôts qui sont immenses, c'est la taille d'usine quoi. Donc voir ça en plein centre-ville, mais c'est quand même grand de ouf hein. Ah mais le loyer il doit être incroyable. Sachez que bientôt je vais devoir aller chez Ikea finalement, dans quelques mois normalement, tout se passe bien, pour faire une énorme razzia. Pour sa nouvelle maison, hein, si vous suivez pas, affaire à suivre.
Putain, mais le loyer qu'ils doivent payer, jamais en vendant leur cuillère et leur truc, là, leur cintre à 1€, ils vont arriver à payer le loyer. C'est totalement un perte ici, c'est juste oui. Vas-y, on fait un jeu, à ton avis, ça s'achète ou ça s'achète pas? Ok. La plante. Elle s'achète. Elle s'achète, tu penses? Ouais. Y'a pas le prix, mais sûr, elle s'achète, mec. Ouais, elle s'achète pas, y'aurait le prix. Ouais. Ouais. Ah, le cintre s'achète. Mec, y'a des lunettes. Elle s'achète pas. Non, mais la boîte, oui. Clairement, c'est une chambre d'ado qu'on ne voit pas au Japon. C'est vrai que c'est pas souvent. Déjà, est-ce que t'as ce genre de mezzanine comme ça? Assez peu, hein. Moi j'en ai une chez moi du coup. Enfin, mais... je veux dire, déjà il y a des tremblements de terre, mais alors si tu étais là-dessus, genre. Ah ouais, mes enfants ils en sont, ouais. Enfin, ouais. Ouais, c'était juste pour montrer que ça existe. En vrai, on n'a rien à acheter, mais. Pour l'instant. On a l'air d'avoir un autre étage, genre on dirait de bouffe, il y a tout le monde qui mange là-haut. Parlant de crêpes, on ne pouvait pas ne pas aller à Braise Café, là où on avait mangé des crêpes bretonnes si délicieuses la première fois. Et cette fois-ci, on va prendre des crêpes sucrées, écoute. Cette vidéo n'est absolument pas un prétexte pour manger des trucs délicieux, hein, pas du tout. Et c'est vrai que depuis qu'on a mangé cette crêpe bretonne, j'en rêve encore le soir. Non, mais on n'avait pas goûté les crêpes sucrées. Et regarde-moi ça, voilà. C'est ça qu'il nous faut. Alors, on vient de manger les crêpes Marion juste avant. Ouais. Donc, on va vraiment comparer coup sur coup crêpes japonaises et crêpes françaises, crêpes bretonnes. Et honnêtement, je vous dis, j'ai bien aimé hein, Marion crêpes. Mais je pense quand même que ça va être meilleur. Oh là là, tout donne envie, c'est incroyable. Banane caramélisée, caramel au beurre salé, glace vanille ou chantilly. Caramel au beurre salé au choix, glace vanille ou chantilly. Chocolat grand-mère, fraise de Plougastel. Mec, je connais. Pourquoi fraise de Plougastel? Parce que justement, à Plougastel, il y a le musée de la fraise et du patrimoine. Musée de la fraise et du patrimoine. Bah écoute, si vous êtes de là-bas, bonjour. Bonjour. C'est arrivé, je tiens à dire un truc. T'as même pas besoin de te pencher pour sentir l'odeur, tellement il y a de l'odeur. Hein. Il y a de l'odeur, la présentation n'a rien à voir avec la crème japonaise. On a une assiette aussi, tu vois. D'ailleurs, on peut peut-être faire une miniature avec l'autre, pourquoi pas. Alors déjà, le test, c'est qu'on va prendre un tout petit Qu'est-ce que tu as pris déjà? Citron et miel d'acacia. J'ai pris confiture rhubarbe et confiture fraise de Plougastel, voilà, avec une glace à la vanille, je pense. Alors attends, déjà, on va couper un point de crêpe où il n'y a rien, tu vois, juste pour avoir la crêpe. Et déjà, comparé à la crêpe japonaise, quoi, elle était un petit peu dure, un petit peu cassante. Ouais. Elle a une texture de crêpe, avec un goût de crêpe, je suis désolé, mais... Bonjour, je suis une crêpe. En fait, je pense que les Japonais savent pas faire une pâte à crêpe, en fait. Ou alors les ingrédients qu'ils ont sont trop light, bon, comme ça, tu vois. Je sais pas. Déjà au Japon, un truc qu'il faut savoir, c'est que la crêpe, si elle a cette couleur-là, c'est qu'elle est malade pour eux. En fait, la crêpe japonaise est tout le temps super blanche, mais vraiment, il n'y a aucune couleur. Et même quand j'en fais pour Akiko des crêpes à la maison, tu vois, ouais. Si c'est un tout petit peu trop cuit, elle dit mais non, c'est pas possible et tout. Et je lui ai dû non mais goûte, vas-y. Effectivement, maintenant elle aime bien, mais au début, tu vois, c'est pas naturel. Pour elle, c'était en mode ça c'est trop cuit. C'est trop cuit, c'est trop cuit, c'est cramé. J'ai pris confiture rhubarbe, mais on aime tous les deux beaucoup la rhubarbe. Ouais, c'est la première que je voulais prendre. Bon, la conclusion, c'est que on peut se faire plaisir avec des crêpes Picard. Voilà. On peut vraiment bien s'amuser avec une crêpe japonaise. Japonaise. Ouais. Mais les crêpes bretonnes, ça reste 15 fois au-dessus. Mais ouais. Si j'avais la chance d'avoir ce restaurant près de chez moi, j'y serais régulièrement. Pareil. Tu deviendrais obèse. Autre chose, la crêpe japonaise, t'en manges une. Ouais. Pas deux. Bah, c'est vrai qu'elle est tellement chargée en chantilly et en autre truc. Alors qu'une crêpe comme ça. T'as déjà fini quoi. Oh boy. Une crêpe comme ça, avec un petit thé Marco Polo un petit peu fruité. Mariage frère, tu connais pas Mariage frère? Mariage frère. Je suis joli parce que ça vient de ça. Non, je connais le drama Marco Polo. Allez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit bon appétit. Tchuss. 1, 1, 1, c'est pour vous la famille, la NIFA, la MIF, que du bif. Sécurité, MotoGP, Netflix sur la télé. Non, mais bien 1, O, A, A, B, C, D, l'alphabet, je connais. 1, yeah. Non, NordVPN, oh. Bon, ce que Tev essaie de vous dire, c'est qu'il y a plein d'avantages à avoir un VPN. Il y a bien sûr la géolocalisation qui est un des gros aspects. Vous pouvez par exemple vous géolocaliser au Japon pour avoir accès au catalogue japonais de Netflix, mais ça marche aussi pour toutes les autres plateformes. Il y a aussi la protection que vous apporte en particulier NordVPN si vous vous connectez à des Wi-Fi publics. Le chiffrage de vos données, la protection de vos données, vous connaissez maintenant.
Et bien sûr, avec notre lien dans la description, vous avez une réduction de moins 73% sur l'abonnement de 2 ans. Bref, merci NordVPN. Et merci Tev pour ton rap. Yeah.